Vous avez eu mille et une vies, mon cher Antoine. On a reconstitué le puzzle de votre vie avec François Rousseau. Il s'appelle Pierre-Antoine Muraccioli, mais pour tout le monde, c'est Antoine. Qui se cache derrière ce baroudeur? On va vous reconstituer le puzzle. Première pièce du puzzle, le chanteur. À 22 ans, brillant étudiant à Centrale, le jeune ingénieur plaque tout pour la chanson et fait ce tube. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Il ne se fera jamais couper les cheveux et gardera l'esprit des années yéyé. Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Et oui, Antoine fait ce qu'il veut, quand il veut. C'est la deuxième pièce du puzzle, le jouisseur. Avec ses chemises à fleurs et ses cheveux longs, Antoine s'engage. Il pratique le naturisme, milite pour la légalisation du cannabis, pour la pilule ou pour défendre les prostituées et leurs clients. Troisième pièce du puzzle, l'aventurier. À 30 ans, il choisit de faire le tour du monde pendant 5 ans. Résultat, ça fait 40 ans qu'il a largué les amarres. Tahiti, l'Australie, Cayenne, les Seychelles. Il passe 8 mois de l'année sur les océans. Forcément, il est devenu écolo, mais ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Sa vie, il la met en scène dans ses documentaires. C'est la dernière pièce du puzzle, Antoine, le businessman. Des films, mais aussi une quinzaine de livres, des conférences et des DVD en rafale, Antoine sait mêler l'utile à l'agréable. Il n'hésite pas non plus à vendre son image pour des opticiens. C'est extra! Eh oui, la liberté, ça se paye. Pas mal quand même!